Eh bien salut tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez en forme et on se retrouve donc aujourd'hui pour un gameplay pas très habituel parce qu'on met jamais de sniper sur la chaîne parce qu'on est tout simplement pas des joueurs de sniper hein. Et le plus étonnant aujourd'hui c'est que c'est Tiger, c'est Tigrou qui est aux commandes hein. Je crois que c'est le plus nul entre nous au sniper en plus. Si vous avez lu le titre hein, vous savez que c'est une mob qui a la clé hein, on fait pas de suspense. Et je préfère vous prévenir d'office, il n'y aura pas de quickscope, enfin ce sera pas une mob avec des quickscopes, on pourra pas dire dans les commentaires, bah c'est nul, c'est que du hardscope, nous on n'est pas les faves ou les optiques quoi, les quickscopes et tout on sait pas faire. Donc c'est une mob normale avec un sniper quoi, et on joue normalement au sniper, nous on vise, on tire et puis basta. Donc oui, et Tiger qui a fait ce gameplay donc. Voilà, il m'a bien dit de préciser que bah voilà, c'était sa deux ou troisième partie de la journée au sniper en plus. Il faisait ça sur 2-3 jours quoi, il s'entraînait au sniper et au bout du 2 ou 3ème jour, deuxième partie de la journée, paf, il sort la mob, bah tant mieux pour lui hein. Donc vous voyez, il prend son temps pour viser, en plus il met beaucoup de headshots du coup, là. Donc voilà, c'était pour la petite mise en place du gameplay. Je vais pas vous en parler tout le long de la vidéo, hein, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Donc c'est concernant Paris Games Week, hein, c'est cette semaine. En tout cas, si vous regardez bien la vidéo, le mercredi, bon je ne sais plus combien on sera le mercredi, on sera le 31, voilà. Bah ce sera Halloween. Et donc, si vous regardez la vidéo le 31, on sera au Paris Games Week pour la plupart le samedi, hein, samedi 3. Le Team Xbox et Team PS3, la grosse majorité, elle sera... Games Week, donc vous pourrez venir nous voir si vous voulez. Et le vendredi on y sera aussi, mais pas tout le monde, ce sera que la team PS3 en fait quasiment, si j'ai pas de bêtises. Azonix aussi il va le vendredi si je me rappelle bien, mais sinon tout le reste de la team Xbox il va pas le vendredi hein. Le vendredi ce sera donc que la team PS3 et le samedi il y aura tout le monde hein. Il y aura Hypno, il y aura moi et tout le reste. Donc ça voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, hein, faut pas faire les timides. Enfin faut pas faire comme moi. voilà, sinon j'avais pas grand chose d'autre à vous dire. Il reste plus que 2 semaines avant Black Ops 2. On y arrive. Hein. Mais on survit avec Modern Warfare 3, c'est super dur. C'est de plus en plus dur d'y jouer. Déjà les gens ils sentent que c'est la fin aussi, donc ils se permettent de jouer un peu sale. On va dire ça dans tous les modes de jeu, donc ça craint un peu. Je me rappelle hier, Hypno et les gars, ils ont voulu tester un peu de sabotage. Et c'était, apparemment, c'était injouable. Ils jouaient tous sales, quoi. Ils vous attendaient dans les coins. Et puis voilà, quoi. Les gens, ils se sentent plus pissés. Hein. Ils disent, bon, c'est pas grave. En 2 semaines, il y a Black Ops 2, on peut se faire plaisir. Bon, si ça amuse comme ça, tant mieux pour eux. Mais bon, on pourrait jouer un peu plus propre. Pour ceux qui veulent jouer tranquille. Donc là, à 5 secondes, vous avez vu. Il a fait un hitmarker sur la collade, la Tiger, il a pas de bol. Code paysan aussi, il a pas de chance. Moi j'ai changé la mienne de cours. Je suis passé chez Bouygues, je sais pas si vous l'avez vous et si ça va bien chez vous. Bon, pour l'instant ça va encore, c'est mieux que chez Free. Pour l'instant, j'ai le meilleur cours, après on verra bien. Sinon qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, bah, je ne sais pas trop, je voulais surtout vous parler de Paris Games Week, oui, parce que bah, ça approche et on n'a pas eu le temps de vous en parler avant. On se disait, on a encore le temps, c'est tout de suite, mais une fois qu'on y arrive, et bah, on se fait un peu dépasser, mais ça c'est de ma faute, j'aurais dû en parler avant. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, parce que vous aurez plus d'infos où on est exactement. Si jamais, surtout Twitter, hein, Facebook, bon ça bide sévère, mais surtout Twitter c'est vachement plus pratique pour nous aussi, mais vous aurez toutes les infos à savoir bah, concernant ça, concernant le salon. Et d'ailleurs, au moment où vous regardez la vidéo, donc le 31 hier, Equipo, on était à la soirée presse du Paris Games Week, hein, on a été invité. Là au moment où je commente, je suis pas encore allé, hein, c'est demain, là on est lundi. Et c'est demain mardi, la soirée presse. Et voilà, on a super hâte. J'ai un peu les chocottes, mais bon. Au moment où vous regardez la vidéo, ce sera passé. Donc, vous saurez si ça a été ou pas. Donc, sinon, voilà, on aura le salon ouvert, rien que pour nous. On pourra voir tous les potes.
Et surtout un membre de la team aussi, je crois qu'il y a des touches. Et dans la team aussi, je suis super hâte de le voir, le petit blond là. Puis après, il y aura Code QG, PCC. Il y aura V12, Wartek et Didier, je crois. Il y aura Po aussi. Po de la team MLP qui sera aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, en parlant de Po, merci à tous pour le soutien juste hallucinant que vous avez montré. Po live de charité qui s'est déroulé ce week-end. C'est c'est Po qui s'en chargeait justement hein, pour l'association Child's Play. Vous avez fait péter les dons, ça c'était nickel. Il y a eu vraiment quasiment 1000 viewers tout le long du live, tout le temps. Ça c'est vraiment quelque chose de super balèze, je trouve. Je pensais pas que les gars ils allaient en faire autant. Voilà, c'est super cool pour tout le monde. Hein. Vraiment merci. Il n'y a pas eu de soucis non plus. Le truc qui s'est bien passé. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir la communauté se rassembler comme ça pour une seule et même cause. Dans le live, on a pu voir James Browning, Gotaga. Il y a Wartek qui avait retweeté le lien du live sur Twitter. Wartek, c'est quand même du lourd, hein, et était super sympa de faire ça. Dans le live, qui on a pu voir, bon, on a pu voir nous, la Rage, il y avait la MLP et encore d'autres mondes. Hein, il y avait Didier, puis il y avait des amis de Po, etc. Et voilà, c'était super cool. Je voulais dire un truc, mais je m'en rappelle plus. C'est magnifique. Oui, je ne sais plus du tout. Bon, ça m'en reviendra peut-être après, hein, je ne sais pas. Donc oui, là, Tiger, il sort le Magnum, hein, mais il va faire quoi, 3 kills avec. On peut quand même dire que c'est une mob au sniper, hein, il va faire les 90% des kills au sniper. Là, pareil, ne criez pas au scandale. C'est pas... Ça sert à rien, je vous en supplie. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire pour le live de charité, ça m'embête. Je voulais vraiment le dire... Bon, enfin, en tout cas, oui, c'est vraiment la... Nicker et... Samus qui sont investis à mort là-dedans. Et après tout le reste de la team a vraiment s'est donné à fond pour le live. Pour 25 heures, c'était une organisation monstrueuse. Vraiment, c'est... Vous vous rendez peut-être pas compte, mais organiser un truc comme ça, c'est... C'est juste... Bah, quasiment impossible, quoi. Faut s'y prendre avec un temps d'avance, mais énorme. Et voilà, le live, il s'est déroulé à la perfection. Il n'y a eu aucun souci. Tout le monde a répondu présent. Moi, j'étais passé de le dimanche de 12h à 13h pour faire un zombie avec Samus. Quentin de la Glitchena qui est faire et un de ses amis, je connaissais pas, mais c'était bien sympa, on a bien rigolé. D'ailleurs, j'ai un peu fail dans le zombie, on est mort à cause de moi. Et après, on a fait un Dead of Arcade et je trouvais même pas la touche pour tirer parce que j'ai jamais fait ce truc là. Enfin bref, on s'est bien marré. J'espère qu'il y aura un lien pour la rediffusion. Faudra que je regarde si jamais je le mettrai. Ou si en tout cas on peut en récupérer une petite partie. Enfin voilà, pour ceux qui auraient bien aimé le voir, qui pouvaient pas être là, j'aimerais bien essayer de voir si je peux avoir un petit lien pour la rediffusion, au moins une partie. Donc là Tiger a débloqué sa mob. Vous allez voir, il va sauter partout si je me rappelle bien. Le gameplay il date là, il doit avoir un mois à peu près. Il a fait un sacré bout de temps quand même. Donc bah GG à toi Tiger. Tu devrais faire gaffe à ta copine je pense hein, je sais pas trop. Je sais pas si t'es cocu mon pote, mais en tout cas. Qui l'aurait cru que t'aurais fait de mob au sniper quoi. Non bien joué, je rigole bien sûr, on vous aime bien. C'est le premier à avoir fait une mob au sniper dans la team. Et juste après, il y a Nicker qu'on a fait une. Et voilà, ils étaient chauds. Moi, c'est vraiment pour moi qu'ils feraient ce genre de truc. Hein. Je trouve ça impossible. Les quickscopes, ça rentre jamais. Perso, je suis toujours obligé de viser un minimum. Alors, pour faire des feeds, je trouve ça mais quasiment impossible. Alors, pour faire une mob, je vous raconte même pas. Et au sniper, j'ai dû faire quoi? Allez, 4 quad feeds, tout code confondu. C'est peu, hein. Il y en a, ils sortent ça au petit déj. Moi, j'ai fait ça en 2-3 ans de de jeu. Enfin, voilà, c'est pas grave. De toute façon, mon kiff, c'est plutôt l'arme et les drapeaux, quoi. Et ça fait plaisir de rentrer des clips. J'ai beau m'entraîner, j'y arrive pas. Donc, bon, j'ai préféré laisser de côté, quoi. J'ai abandonné. Il y a une période où je jouais
tout le temps au sniper, que j'étais chaud, je me disais, bah, je vais y arriver et tout. Donc, excusez pour le noir qu'il y a eu, parce que avec le PVR, enfin non, c'est même pas le PVR, c'est Xbox en fait. Elle se met en veille toute seule. Ça, c'est chiant. Oui, je disais, ouais, le sniper, il y a une période où j'étais tout le temps à fond dessus. Bon, je jouais plutôt bien, enfin j'étais content de moi, quoi. Je faisais pas des twist-cops, flash-cops, machin, à la Superman, mais j'arrivais à faire des scores positifs, quoi, j'étais content, et faire des doubles, triple feed. Mais jamais la quad, elle sort jamais, je vais être maudit. Et au bar, en plus, quoi, pour pouvoir mitrailler un peu quand il y a du monde, bah même pas, pas moyen de faire une quad feed. En quickscope j'ai jamais fait en plus. Le seul quad feed que j'ai fait c'est du hardscope. Enfin bref, vous verrez ça dans un futur montage peut-être. Parlant de ça, ouais, on va d'ici un ou deux mois on va essayer de vous proposer le deuxième vintage. On attend qu'un éditeur soit dispo. Même si en parlant du montage, oui, c'est ça que je voulais vous parler aussi. Vendredi, on s'est tapé un bug énorme de YouTube. La vidéo, elle est apparue dans quasiment aucun flux. La vidéo, elle a peiné à dépasser les 1000 vues. C'est le montage, c'est un tritage en fait d'Azonix, Nicker et Poly. Magnifique tritage édité par Snow Kids. Je l'avais mis vendredi sur la chaîne et bah voilà, ça a bugué. Le flux a bugué et la vidéo a pas fait les vues qu'elle mérite, je trouve. Donc je mettrai une annotation. Manière, elle sort en outro, je suis bête. Donc laissez défiler la vidéo, hein, vous verrez ça. Vous la verrez, la vidéo, et n'hésitez pas à cliquer dessus. Ça ferait plaisir pour eux surtout. Et pour récompenser l'éditeur qui apparemment a passé 40 heures dessus. 40 heures, c'est pas rien, surtout pour un montage. En général, 40 heures, on les passe à faire autre chose, hein, pas pour faire un montage. Donc voilà, n'hésitez pas. La vidéo elle est finie, vous avez vu la belle mob péter. Félicitations encore Tiger. C'est un seul mob au sniper que vous verrez d'ici Black Ops 2. Hein. De toute façon, il reste plus que 2 semaines. Je ne sais même pas ce que je vais mettre la semaine prochaine. En tout cas, maintenant attendez-vous à voir que l'emploi du temps soit un peu chamboulé. Hein. On fera plus des trucs carrés, genre gameplay, top 5, live. On mélangera tout, on fera des fois des lives. Si on a plein de gameplay, on mettra que des gameplays. Donc voilà, je voulais vous prévenir aussi par rapport à ça. On va taffer comme des oufs, l'organisation va peut-être un peu chamboulée, mais ça va être pour votre plus grand plaisir. Donc voilà, j'ai plus rien à dire. Prenez soin de vous. Là, de toute façon, vous êtes en vacances, donc à mon avis, vous devriez aller bien. Et voilà les gens, à samedi, hein, si on se voit à la Paris Games Week. Ciao, bye bye.